Madame, c'est bonjour et bienvenue sur Yanskobon. En dessous de cette vidéo, tous abonnés, cliquez sur abonner pour activer la cloche de bas pour que tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, nous allons vous donner un conseil ici. Faites vraiment très attention. Très très attention dans la vie. Quand vous voyez que les gens qui sont autour de vous disent du bien de vous là, faites attention. Faites attention. Faites attention. Vous-même, quand vous vous regardez, vous voyez que vous êtes en erreur souvent. Mais les gens vous disent bien parce que vous avez de l'argent. Ils tout trouvent bien. Ils vous trouvent bon. Ah! Malheur à vous quand tout le monde dit du bien de vous. Malheur à vous. L'homme n'est pas parfait. Nul n'est parfait. Voici qu'aujourd'hui, vous allez commencer à avoir l'argent. Et les gens seront attirés par vous. Ils vont venir maintenant vers vous. Ah, bonjour mon frère. Ah, bonjour monsieur. Ah, vous allez bien. En tout cas, vous êtes beau. Même si vous n'êtes pas beau, on vous dit, vous êtes beau parce que vous avez l'argent. Et tout le monde vous apprécie au quartier. Quoi? Tant que tu te regardes là, tu sais qu'aujourd'hui là, c'est vrai que tu t'habilles bien d'habitude, mais aujourd'hui tu n'es pas bien habillé. Mais tu vas voir qu'ils vont venir te dire que tu es beau. Tu es joli. Ah! Même quand tu es dans le péché là, il faut te dire non, 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 ça va, tu es bon. C'est très bon. Continue comme ça, ce que tu fais là, c'est bon. Continue. Quoi? Malheur à vous. Quand tout le monde dit du bien de vous. Quand tout le monde dit du bien de vous. Aujourd'hui là, dans le moment où nous sommes arrivés là. Ah! Le moment où nous sommes arrivés là, quand on vous dit, quand tout le monde dit du bien de vous là, ah, attention, il y a problème. Attention, il y a problème. Parce qu'aujourd'hui là, ceux qui sont bien là, ou qui disent la vérité là, ils sont combattus. Donc quand vous n'êtes pas combattu là même, posez-vous la question, dites-vous, est-ce que je suis sur le bon chemin? Un vrai chrétien, en ce moment où je parle là, qui n'est pas persécuté, qui n'est pas combattu, il n'est pas un vrai chrétien. C'est ce que moi je dis. Parce que je sais de quoi je parle. Et je sais ce que je traverse également. Voilà. Ouais. Ah! Voici les gens qui veulent que tout le monde les apprécie. C'est-à-dire, l'homme aujourd'hui, là, il veut être reconnu. Il veut être reconnu. Il faut que l'homme reconnaisse qu'il est ce qu'il a fait. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? Ceux qui vont venir vers toi pour te dire que tu es bien, tu es ceci là. En fait, ils sont en train de te blaguer. Ils sont en train de provoquer, de créer au fur et à mesure un gros trou pour que tu puisses tomber. En fait, c'est pour susciter même l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Ah! Quand on te dit tu es bien, tu es bien, tu es joli, tu es ceci là. Toi, à un moment donné, tu vas t'asseoir, tu as dit André que je suis, c'est pas fou. Hein. André que je suis bien quand même. André que je suis bien quand même. Hein. Oui, André que je suis bien quand même. Je pense que c'est vrai. Quoi? Sachant que tu dois le péché. Hein. Et c'est à ce moment-là. Tu vas commencer à dire, bon, je dois m'habiller comme le roi. Et l'orgueil maintenant va commencer à naître. L'orgueil va naître. Même, ça se passe même à l'église, chez les hommes de Dieu. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi nous vous disons ça aujourd'hui. Vous allez comprendre ça. Voici l'histoire. Voici l'histoire. Si tu n'as rien compris jusqu'à ici, là, ce que nous allons te dire là, ça va t'aider. Où ça va t'ouvrir les yeux. Vous voyez cette fleur là? C'est joli, n'est-ce pas? C'est de la même manière, votre vie doit être jolie. Ça doit être propre vis-à-vis de Dieu. Voici un homme de Dieu qui a commencé très bien avec Dieu. Dieu même a fait beaucoup de choses avec lui. Regardez, Dieu a fait beaucoup de choses avec lui. Beaucoup. Mais à un moment donné là, il a commencé à être attiré
par trois choses. Vous savez c'est quoi? Mon frère, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces trois choses-là qui sèment la zizanie dans le domaine des hommes de Dieu? C'est quoi? Quelles sont les trois choses qui provoquent généralement la chute des hommes de Dieu, ou encore des frères chrétiens? C'est quoi? C'est trois choses seulement. C'est pas beaucoup, écoutez. Une, deux, trois. Une, deux et trois. C'est seulement trois choses qui provoquent la paix, des perturbations chez les hommes de Dieu aujourd'hui. Premier élément, soyez prêts. Retenez bien, hein? Retenez bien ça là, que nous allons vous dire là. Si vous avez ça à l'esprit là, ce sera facile, ce sera difficile pour le diable de vous atteindre. Très difficile. Premier élément, l'argent. L'argent! Deuxième élément. Deuxième élément, c'est quoi? Une fois qu'on a l'argent là, on sait ça fait quoi? Femme. 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 Deuxième élément. Femme. Les femmes. Troisième élément. L'orgueil. Récapitulatif. Premier élément quoi? L'argent. Deuxième. Les femmes. Troisième. L'orgueil. L'orgueil précède la chute. L'orgueil là, ça précède la chute. Si tu aimes trop l'argent là, tu risques de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Comme par exemple, mentir ou faire de fausses révélations. Ouais. À l'église, l'homme de Dieu va tout simplement mentir et faire de fausses révélations. De fausses révélations. Carrément. Pour avoir quoi? L'argent. C'est-à-dire, ce que Dieu lui dit de dire là, il ne dit plus. Tu vas le voir à l'école, à l'église. Vous allez voir, le voir, hein? Ils auront tendance à prêcher sur l'évangile de la prospérité. Vous serez bénis. Oui. Et les gens viennent donner. Mon frère me dit qu'il dit vous serez bénis là. Le diable est derrière et il travaille. Hein. Il pousse les gens à venir donner l'argent seulement. Donner l'argent. Lui, il ne sait pas que c'est le diable qui a été travaillé comme ça pour provoquer sa chute. Il ne sait pas. Quoi? Vous serez bénis. Oui. On donne l'argent. Une fois qu'il a goûté au premier biais de cet argent-là, c'est fini. L'esprit d'argent est entré en lui. Plus rien ne peut l'arrêter. Il commence à voir la voiture. Et maintenant, ça devient un business pour lui. Là, il commence maintenant à oublier Dieu. Petit à petit, il n'est même plus écouté Dieu. Voilà, voici le danger. Voici comment ça se passe. Maintenant, quand on a l'argent là, on fait quoi? On se dit que maintenant, on est capable de faire ce qu'on ne pouvait pas faire. C'est ça même le problème de l'argent. C'est que ça te donne le pouvoir de faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Parce qu'aujourd'hui, avec l'argent, on peut pratiquement faire beaucoup de choses. À peu près, on peut tout faire, sauf acheter la vie. C'est ça. Donner la vie, donner l'amour. On peut dire que le pouvoir de l'argent s'étend à 80%. Maintenant, les 20% qui restent là, ça vient du domaine de l'impossible maintenant. Par exemple, si quelqu'un peut avoir l'argent et puis il ne peut pas être guéri d'une maladie incurable. Oui, voilà. Ou bien l'argent ne peut pas acheter l'amour, tu ne peux pas pousser une femme à t'aimer parce que tu as l'argent. Voilà. Ton argent ne peut pas faire ça. Ton argent ne peut pas pousser Dieu à te permettre d'entrer au paradis. Même si tu es un milliardaire, voilà. Ce sont tes œuvres là. Vont déterminer où tu iras après la mort. Donc l'argent là va lui donner un pouvoir, va donner le pouvoir à cet homme de Dieu là. Et ce pouvoir que l'argent va lui donner là, ça sera de faire quoi maintenant? Chercher des femmes. Et là le deuxième élément vient, les femmes. Une fois que vous commencez à voir, l'homme de Dieu commence à avoir une femme, deux femmes, en dehors de sa femme, hein, trois femmes. Il est marié déjà, il est homme de Dieu, c'est rare. Il est homme de Dieu.
Mais vous allez le voir. Même s'il n'est pas marié, vous allez le voir. Jeune, hein, chrétien. Il a des copines. Nous avons connu un homme de Dieu comme ça. Ça change des copines. Ça change des copines. Un jour, sa maman arrivait chez lui. Et elle voit des copines descendre. Elle demande à son fils, mais mon fils, les filles là, c'est qui? Qui sont-elles? Il dit, il était de faire un casting. Quoi? Un casting dans ta chambre? Et elles ont un slip, c'est quel casting tu fais là-bas? Quoi? Mais j'hallucine ou quoi? Voici. Et tu vas le voir, tu vas le voir, hein. Ils vont se mettre enceintes maintenant, les filles là. Les enceintes. Et ils vont les demander d'avorter. Si elles refusent là, il y a des complications qui peuvent suivre. Et vous pouvez voir que quand ça tourne mal, on va voir que tel homme de Dieu a enceinté trois femmes dans l'église. Ça dit femme des gens. Homme de Dieu est enceinte maintenant, femme des gens. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se crée. C'est le diable qui fait ça. C'est trois choses seulement, c'est pas beaucoup. L'argent, femme et puis orgueil. Après ça, l'orgueil va naître maintenant. C'est l'orgueil. Une fois qu'il a les femmes, il se dit maintenant qu'il a tout. Les femmes sont à ses pieds. Vous connaissez les femmes là. Quand tu as l'argent là, tu es leur Dieu. Voilà. Quand tu as beaucoup d'argent là, tu es leur Dieu. Voilà. Vous allez voir. Il va maintenant se croire fort, puissant. Parce que c'est ça. L'argent aussi, ça donne quoi? La puissance. Ça va susciter en lui l'orgueil maintenant. Et c'est de là maintenant sa chute va s'écrier petit à petit. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous-même, vous allez me dire. Si c'est faux là, dites-le moi. Réagissez dans la partie commentaire là. Et dites tout ce que vous en pensez. Laissez un like si vous êtes convaincu et que vous avez été touché. Et dites-nous ce qui a manqué ou ce que vous aimeriez ajouter pour que tout le monde puisse être aidé. Mes frères et sœurs. Trois choses seulement. Et ça s'adapte à tout le monde. Hein? À tout le monde. Tout le monde. Écoutez, c'est trois choses seulement. C'est pas beaucoup. Mais c'est très puissant pour faire chuter quelqu'un. Même un non-chrétien. C'est comme ça se passe. Je compte sur vous pour vous abonner sur cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je vois sans doute vous êtes d'une grande utilité. A bientôt, Seigneur, ce que vous. Ah! Que Jésus vous garde. Parce que nous sommes dans le danger sur la terre, mais c'est ce Dieu qui peut nous délivrer.